Alors, à la différence des épreuves de Coupe du Monde, Laurent, ici au Gander, il n'y a qu'un seul saut. Hein. Un seul saut, oui. Et pour Claudio Capelli, un bon début de mouvement au sol avec un twist double carpé. Vrille et demi, vrille et vrille et demi. Cinquième lors des derniers championnats d'Europe au sol, Claudio Capelli. Et Marie-Sophie Hinderman a obtenu la note de 14,50. Double vrille et demi Barani, suivi de réception la plus faciale ici avec le travail en cercle russe. L'appui tendu renversé par la force. Petit exercice saut de l'ange pour rejoindre le bout de la diagonale. Et la finale, un twist double avant groupé. Ah, le petit pas en avant, le pied droit en avant au moment de la réception, mais il est content tout de même, Claudio Capelli. Ah, il ne va peut-être pas aller chercher Brandon O'Neill ni Marianne Dragulescu, mais il est capable d'aller les titiller sur cette note à l'issue de ce passage au sol. Il va aller chercher la...